I'm texting, I'm wildin'. Nah, nigga, I'm coolin'. I'm cruising, I'm speeding, I'm drinking, I'm driving, I'm wildin'. Nah, nigga. Okay, I had a slight shift in consciousness. I know vodka usually burps confidence. I'm getting sushi Rito with a model chicken. It's only for the marketing. Sarcastic has... Hey, yo les gens, c'est Driz, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les gars, ça va vraiment super. Donc aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Off sur Clan. Et vidéo un petit peu spéciale, puisque bah, il va s'agir en fait d'un petit retour sur Black Ops 2. Mais avant de présenter un peu plus le gameplay et ce dont on va parler, je vais vous inviter tout simplement à aller checker en description. Il y aura ma chaîne YouTube. Pour ceux qui le savent peut-être pas, bah, j'ai lancé il y a pas longtemps et je vais essayer de faire quelques vidéos dessus. Pour l'instant, il y a déjà deux vidéos et une troisième qui sera peut-être en ligne au moment où vous verrez celle-là. On verra, je sais pas encore. Bref, voilà, j'aimerais vraiment atteindre déjà le petit palier des 1000 abonnés, tu vois. Genre, pour l'instant, je suis à 600 et quelques, il me semble, donc vraiment, ça ferait plaisir que le maximum de personnes aillent s'abonner. Bref, on va pas trop abuser avec ça, parce que, fait ma petite pub, c'est déjà pas mal. Bref, donc aujourd'hui, les gars, peut-être que vous l'aurez compris, on se retrouve pour un gameplay sur Black Ops 2 qui est pas énorme, mais qui est bon, voilà. Donc il s'agit bien évidemment d'une double nucléaire au DSR 50, vous le voyez certainement. Alors, je tiens à préciser quelques petites choses sur le gameplay avant d'aller plus loin. Faut savoir qu'en fait c'est une triple nucléaire fail à 25. Donc, je mets, en fait il a un 60 GS. Et après genre il met une série de 25. Malheureusement je pense que je mettrai pas la deuxième série de 25, pour la simple et bonne raison qu'il fait genre je crois 4 ou 5 kilos pompe dedans. Et du coup c'est pas super beau. Bref voilà, c'est tout à peu près pour ce qu'il y avait des petites particularités. Sinon en fait ce qui se passe c'est que le gameplay, franchement faut vraiment que je vous explique ce qui se passe, tu vois. Donc il est revenu sur Black Ops 2 et puis il s'est dit voilà, je vais tenter du petit gameplay. Alors effectivement il est lancé en multi-équipe. Et faut savoir vraiment maintenant, moi je suis retourné sur Black Ops 2 la semaine dernière. Et vraiment multi-équipe, il n'y a que des AFK ou des mecs qui bougent quasiment pas, des mecs vraiment mauvais. Donc voilà, vraiment regardez le gameplay, vous voyez les mecs, on a l'impression qu'ils tiennent pas leur manette. C'est impressionnant. Moi ça me choque, tu vois, que des gens puissent jouer à Call of comme ça. Donc, bref, peu importe. En tout cas, ça change rien au fait qu'il les a quand même enchaînés au DSR, tu vois, il loue vraiment très peu de balles. Je sais pas si dans la série il doit manquer quand même quelques balles, mais pas énormément. Enfin voilà, c'est vraiment cool. Après bon, c'est vrai qu'il, vu que les mecs bougent pas énormément, il a vraiment le temps de les ajuster. Mais voilà, ça reste quand même un gameplay assez dur à réaliser. Et c'est vrai que quand on sait pas du tout jouer sniper, je pense pas qu'en fait il soit vraiment réalisable. Alors je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais le gameplay est réalisé par Warrose, je pense qu'il y aura aussi sa chaîne en description. Donc n'hésitez pas à aller checker vite fait si ça vous plaît. Il a déjà quelques abonnés et je pense qu'il y en a déjà d'entre vous qui le connaissent peut-être. Donc il est assez jeune, donc essayez de pas trop lui en vouloir, il dit plus rien, normal, on est tous passés par là, il grandit. Mais voilà, il y a quelques gameplays intéressants, peut-être que vous le reverrez de temps en temps sur l'obscur. Bref, maintenant je vous invite simplement à donner votre avis sur la vidéo en fait en commentaire. Voilà, si ça vous plaît, un petit retour sur Black Ops 2 ou pas. Sachez qu'on a pas mal de gameplay en stock sur ce jeu. Et on avait envie un peu de tester et de demander surtout dans cette vidéo votre avis. Donc en fait maintenant ce que vous allez faire, c'est dans l'espace commentaire, vous allez simplement lancer oui ou non, tu vois, si vous avez envie de voir du Black Ops 2 ou pas sur la chaîne sur de temps en temps, genre cette semaine par exemple. Voilà, je sais qu'on avait mis un petit sondage sur Twitter à l'époque, mais voilà, je sais qu'il n'y a pas énormément de monde qui nous suit sur Twitter. Donc je vous invite vraiment les gars à aller mettre dans les commentaires maintenant si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Et également évidemment à donner votre avis sur le gameplay, si vous aussi vous trouvez que c'est un peu abusé qu'il y a des mecs qui bougent pas. Enfin moi je trouve ça vraiment chaud, mais bon après tu vois, les mecs c'est eux qui décident comment ils jouent, tu vois. Enfin je vais pas les forcer à bouger alors qu'ils sont pas en fait. Bref, en tout cas, le commentaire touche à sa fin, pardon. Je suis désolé si je parle un petit peu bizarrement, un peu rapidement, ou si je sais pas trop quoi dire. Faut savoir qu'il est 5h du matin, que je vais bosser après, parce que je fais une nuit blanche. Bref, je raconte un peu ma vie, je vais essayer de pas trop, voilà. J'espère que ça vous conviendra. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Off-Surclan. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir dans ces périodes difficiles, vous le savez. Bref, allez, ciao les gars, c'était Driz. King of dream, that's deferred. Looking for a thing I can never define. Trying to grab a dream that can never be mine. Every second feel like I'm further behind. So you can live your life, I'ma drink mine. I'm coolin', I'm cruising, I'm speeding, I'm drinking, I'm driving, I'm texting, I'm wilding. Nah, nigga, I'm coolin', I'm cruising, I'm speeding, I'm drinking, I'm driving, I'm wilding. Nah, nigga, nah.